Longbow est le père de Kentucky Dynamite. C'est un grand, grand, grand étalon. Kentucky King Mambo, Kentucky Dynamite, il a sorti Mutin. Comment on pourrait qualifier un peu sa production? Je crois qu'on en a vu même en obstacle également. Oui, bien sûr. Kentucky Dynamite, il produit très, très bien. Kentucky Dynamite, si tu fais son ratio, il a plus de 80% de ses chevaux qui sont à l'arrivée, ou gagnants ou placés, des chevaux qui ont couru. Alors bien sûr, il n'a pas encore gagné de groupe 1, mais ça, ça va venir. C'est un jeune étalon, il a des 4 ans, il faut leur donner un peu de temps. Si vous prenez Motivator, il est rentré au Hara en 2006. Il a fait un gagnant de groupe 1, Trèves, en 2014. C'est pour ça que les étalons, il ne faut pas trop les juger trop vite. Il faut leur donner le temps d'avoir au moins des 4 ans, voire même des 5 ans à l'entraînement, c'est-à-dire deux générations de chevaux. Et à ce moment-là, mais c'est un cheval qui est très polyvalent. Il a un très bon cheval en Angleterre qui a fait ses débuts en France et qui vient d'être deuxième dans un groupe 2, qui a été deuxième en fin d'année dans un groupe 1. Et donc, il est polyvalent aussi. C'est un cheval qui fait des chevaux très bien dans leur tête, des chevaux durs. Moi, je pense que la même chose, c'est un cheval qui est extrêmement bien né. C'est la famille de Dane Hill. Donc, il va devenir un très bon étalon. Merci, Cricket.